c'est un état d'euphorie un petit peu, où on se sent un petit peu flotté et on voit les carreaux au fond de la piscine qui défilent à grande vitesse. Et sur l'ensemble du corps, il y a vraiment, on sent l'eau, on se sent très très fluide et vraiment on a l'impression de voler, quoi. On s'aperçoit que tous les apnéistes de haut niveau, grosso modo, ils ont envie de respirer entre 4 et 5 minutes. Par contre, ce qui fait la différence, c'est la capacité à se détendre en fait quand on est dans la zone rouge, quoi. Et plus on arrive à se détendre, et plus petit à petit, on va réussir à gratter des secondes. 50 mètres crawl, bien nagé. Fartlek sur 12,50 au retour. Physiologiquement parlant, on a besoin de beaucoup d'aérobie, beaucoup de résistance. On a une acidose très marquée. Et ça, évidemment, ce sont les qualités physiologiques qui sont absolument nécessaires en athlétisme, en cyclisme et dans beaucoup d'autres sports de ce type qui gagneront à venir pratiquer l'apnée un petit peu avec nous.